monde à récupérer. Il était installé jadis sur les remparts d'Alger, mais depuis le milieu du 19e siècle, c'est à Brest qu'il se trouve. Bruno Gilbert et Christophe Molina, reportage. C'est un monument qui passe quasiment inaperçu au sein de l'arsenal. Pourtant, il suscite des convoitises de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. La consulaire est le nom donné à ce canon, aujourd'hui surmonté d'un coq, un canon fondu en 1542 destiné à défendre le port d'Alger. Baba Merzoug, l'autre nom de la consulaire, devait remplir ce rôle de canon protecteur et canon très spécial puisque c'était l'équivalent de la grosse Bertha de l'époque. Et puis c'est une commande prestigieuse, les matériaux qu'il compose, le bronze, sont très coûteux pour une pièce qui fait 6,60 m de long, 13 tonnes de bronze, c'est très coûteux, donc c'est une pièce de prestige. Baba Merzoug est surtout une arme qui défend Alger pendant plusieurs siècles. Un consul français en a même fait les frais au XVIIe siècle. Le consul de France, le père Levaché, qui était donc consul auprès du dey d'Alger, le gouverneur d'Alger, a été attaché à la gueule du canon et propulsé vers l'escadre d'Abraham Duquesne, qui était venu convaincre Alger de mettre fin aux attaques des pirates barbaresques en Méditerranée. En 1833, après la conquête d'Alger par l'armée coloniale française, le canon est ramené à Brest et transformé en monument. Depuis 10 ans, un cercle d'artistes et d'historiens algériens s'active dans le but de faire revenir le canon. Les démarches politiques et diplomatiques ne semblent pas aboutir. La marine l'affirme, elle n'a reçu aucune demande de transfert. Le coq garde son piédestal. On reste dans le